Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo pour vous présenter Bulk Slash sur Sega Saturn, version qui a été traduite en anglais par des fans en décembre 2021. Le jeu avait reçu une preview de Console Plus en 1997. Ils ne savaient pas exactement ce qu'il allait avoir comme niveau ni le détail des niveaux, mais ils avaient quand même fait deux pages dessus. Le jeu, en plus d'avoir été traduit, a bénéficié d'une couverture en anglaise par les équipes de traduction complète et très détaillée, ainsi qu'une notice en anglais aussi avec toutes les commandes et toutes les informations nécessaires au jeu. Alors le jeu se décompose avec 7 niveaux. Dans chaque niveau, en fait, il va falloir suivre une mission bien précise et à chaque fin de niveau, il y aura un boss à affronter qu'il faudra battre pour passer au stage d'après. Comme on peut le voir, le jeu a été traduit en anglais et les voix aussi, donc ce qui fait extrêmement plaisir et c'est très très agréable pour y jouer. Donc il faut savoir que le personnage principal dans son robot peut prendre 4 coéquipières. Chacune a des petites spécificités qui lui sont propres. Après, ça ne change pas vraiment le principe du jeu ni le développement de l'histoire dans sa globalité. Niveau graphisme, le jeu n'a pas forcément très bien vieilli parce que c'est de la 3D. En 1997, c'était pas ce qu'on a aujourd'hui. Après, ça reste agréable à jouer parce que c'est un petit monde ouvert où on peut se balader un petit peu n'importe où et c'est assez simple de se diriger, tout est indiqué dans le jeu. Donc là, on voit un boss. Les boss, ils sont quand même assez énormes pour l'époque avec de belles textures et puis ça reste sympathique à affronter durant les stages. Dans chaque stage, en fait, l'environnement change. Le premier, c'est urbain. Le deuxième, c'est aussi urbain, mais plus de nuit, avec de la pluie, ce qui est pas trop moche, on peut dire. Avec son boss à chaque fois qui est un petit peu différent, donc c'est agréable à jouer. Donc il y a aussi des missions où il faut escorter des vaisseaux, protéger des attaques ennemies. Ça, c'est des petites missions pas très longues qui apportent pas grand chose au jeu, mais bon, ça fait de la diversité et bon, c'est toujours un plus. Il y a aussi des missions où il faut récupérer des bombes, les mettre à un emplacement bien précis pour faire exploser une base. Ça, c'est dans l'espace, c'est un niveau qui est sympathique à faire. Il faut savoir aussi c'est que le jeu en fait vous permet de vous balader soit en robot soit à pied et il y a un stage qui est spécifique où vous avancerez à pied jusqu'au boss pour l'affronter. L'avant-dernier niveau est un niveau dans la neige qui est assez bien fait, assez joli pour l'époque et qui donne un petit peu de changement à la globalité. En conclusion, je dirais que Bulk Slash est un bon jeu. Faut pas trop regarder la 3D, mais bon, ça reste sympathique à jouer sur Saturn. Il a un petit peu vieilli. Après, la traduction qui a été faite en anglais permet maintenant d'apprécier le jeu et de le comprendre, ce qui est vraiment une très bonne chose. Donc moi, je vous le conseille à tous. J'y ai joué sur Fenrir avec mon ODE.
Merci à tous d'avoir regardé cette présentation. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne et bon jeu.